Salut à toutes et à tous, c'est Ocrad. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le gameplay découverte de Atelier Marie Remake. Et ouais, ça fait plaisir. Alors, Atelier Marie, qu'est-ce que c'est? Enfin, en tout cas, le Alchemist of Salzburg, c'est un jeu qui est sorti en 1997, si je ne m'abuse, sur Play 1. Et donc là, on a un remake de ce jeu. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai absolument pas vu venir. Je sais que les ateliers étaient un petit peu plus corsés à l'époque. Ils sont un petit peu plus cool maintenant, même s'il y a quand même un peu de challenge. Ça reste plus abordable. Est-ce que dans ce remake, ils nous ont donné des petites options comme ça pour rendre le jeu plus abordable? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va faire une petite découverte. Évidemment, comme beaucoup d'ateliers, c'est pas traduit. Hein, vous vous doutez bien. Zoom, contrôle, machin et tout ça, c'est bon. Voilà, il y a combat difficulty. On peut se mettre en easy. Donc ça, c'est bien pour ceux qui s'intéressent qu'à l'histoire, etc. Et regardez, on peut switcher entre la bande-son originale ou celle du remake. Là, on est sur remake. On va se mettre sur l'original. Hop, on va sauvegarder et on va voir si ça change quelque chose. Oui. Je préfère l'original. Ah oui, je préfère largement. Allez, on va faire New Game et on va découvrir ça ensemble. Alors, ok, donc Normal Mode, c'est comme ça qu'il a été designé à l'époque. Ok, on est limité à 5 ans. Ouais, ou illimité. Ah bah c'est trop bien ça. Ah c'est trop bien, bah je vais faire une limited. Donc voilà, on a des options d'accessibilité, c'est trop bien. Parce qu'à l'époque, il y a toujours cette course contre la montre qui se faisait et c'était très pénible. C'était très hardcore par moment. Moi je sais que j'aime bien prendre mon temps sur ce genre de jeu, donc du coup, un peu compliqué quoi. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique et on se retrouve après. けれどもそんな中に一人の落ちこぼれの生徒がいました。創立以来最低の成績を記録したと噂される。そんな彼女の名前はマルローネ、通称マリー。 落第の危機に瀕した彼女には、とある特別試験のために一件の工房が与えられました。マリーに与えられた試験というのは、5年をかけて錬金術で立派な道具を作ること。とはいえ、いきなりうまくいくはずもなく、 また失敗。そう簡単にはいきません。彼女が立派な錬金術師になる日は果たして来るのでしょうか。 Je vais me mettre en autoplay. Hein. Et on va discuter un petit peu pendant ce temps-là. Vraiment, je l'ai pas vu venir celui-là. Hein. Je me doutais jamais qu'ils allaient faire un remake de Atelier Marie. Surtout que c'est un jeu que j'ai jamais fait, pour le coup. Donc trop bien. J'en ai fait hein, quelques-uns des ateliers. J'ai fait Rorona. Et Rorona, pareil, il y avait, enfin de mémoire, hein, il y avait ce système de timeline. Timeline, qu'est-ce que je raconte? Il y avait ce système de date butoir, quoi, et c'était très chiant, parce qu'il fallait vraiment... Il fallait carburer, quoi. On peut changer le display, visiblement. Ah non, on peut juste tirer les sous-titres, ok. Je vais faire un petite accélération. Ah, on est donc in-game. J'ai oublié de le préciser, mais le jeu sort ce 13 juillet 2023, donc demain.
et surtout ça sort un petit peu partout, Switch, PS4, PS5 et PC, pas Xbox évidemment, on a l'habitude avec les ateliers, mais du coup là on est sur la version PlayStation 5. Ok. Ok. Dès qu'on rentre à l'atelier, il y a une journée qui s'est passée, hein, donc. Ok. Ah oui, ça bouge bien. Donc ça, on peut s'en servir évidemment pour sauvegarder et également changer la bande son. Alors, attendez, on va comparer, c'est cool. J'aime bien moi ça. Très pratique. Ah non, je me disais aussi c'est trop beau pour être vrai. Alors attendez, est-ce que je peux main menu? Option. On va revenir hein, sur l'audio du remake pour voir un peu. Là, attention. Oh, les deux ont leur charme. Allez, on va passer un petit peu. Alors. Ah cool. Ok, hop. Donc on peut faire ça. Et voir la petite partie histoire. Et on doit voir... Enfin là on voit ce qu'on doit faire en fait. Le professeur Ingrid et Chia Donnerstag. Sacré nom. Hein. Sacré nom à coucher dehors ça. Après c'est bien quand il y a des remakes comme ça qui permettent d'avoir un peu plus d'accessibilité pour les gens qui aiment bien la série aujourd'hui mais qui ne l'ont pas connue à l'époque, ce qui est mon cas, hein, ce qui est mon cas. Donc franchement très très cool. Je suis pas sûr que toutes ces options là étaient présentes à l'époque. Pour ceux qui l'ont fait à l'époque, n'hésitez pas à me le dire. C'est très très cool. Alors, il y a un petit aspect de flou mais qui est pas bien méchant. Tiens, lui je peux lui parler. Ok. Ah, c'est pour acheter des armes. À mon avis, je ne peux... Ouais, j'ai rien, hein. J'ai pas une thune. Hein. Ah si, j'ai 3000. Ouais. Ça, je peux l'acheter, en vrai. Ok. Bon, c'est dommage que l'armure ne se voit pas sur elle et que c'est juste des stats. Ouais, c'est très très mignon hein. Pour le coup ils ont réussi hein. Si le but c'était de faire quelque chose de mignon, c'est une réussite. Alors on va aller voir. Ah ok. On va pas aller voir. Alors moi j'essaye d'aller un peu partout. Hein. Alors encore une fois, le but ça va être de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. C'est pas de vous donner un avis, je préfère toujours le préciser, hein. Les gameplay découvertes sont là pour vous faire découvrir les premiers instants d'un jeu. Vous avez mes réactions, certes, mais sachez qu'au bout d'un moment sur un jeu ça peut évoluer, même si en général je suis quand même assez bon public. ただの酒飲みもいるけどさ。
あんたも街の外に行くことがあったら付き合って。俺以外にも冒険者はたくさんいるけど、今は街の外に行くことはないから。そん時はよろしく。 Bon, donc lui on pourra le revoir plus tard. Ah, on peut accepter des quêtes donc. Cool, cool, cool. Allez, let's go. Ok. Les rumeurs. Ah! Non, rien. Donc là, j'ai accepté. Je peux regarder à l'agenda. Ok. Donc là, très bien. Donc là, c'est vraiment la phase tuto, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, forcément. Mais il faut passer par là. Ok, d'accord. Ah bah c'est bien, je devais lui parler à elle, tiens. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord. Là, il y a un shop. Ok. Ah. Ça, ça vaut peut-être le coup, non? Je pense, hein. Ça peut être pas mal. Alors. Ouais. Très bien. Ah, pour l'instant, je ne peux pas y aller. Et là-bas, je peux, je ne peux pas. Non. Allez, on y va. De cette là. Ok, donc là, si j'affiche ma carte, je vois que en partant par là, on sera bon. Et on aura la world map. Ah, c'est comme ça la world map, ok. Ah, un peu déçu de la world map. Mais bon, si c'était comme ça à l'époque, hein, pourquoi pas. Mais j'aurais préféré une petite world map façon Final Fantasy de l'époque, quoi. Mais bon. Ok. Ah, un petit monstre. C'est parti! Ah, on va voir le système de combat. Alors ça m'intéresse beaucoup. Ok, forcément. Yaha! Wow. Allez, on va guard. Très bien. Incroyable. Une attaque nettoyage, quoi. Alors ça... Ça, c'est cool. Allez. C'est quoi cette petite danse? C'est énorme. Ah non. Ah oui, elle est level 1, la copine. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est faible. Ok. Ok. Bon, ça, j'ai compris.
Allez, on y va. On va récolter. Donc ça n'a pas trop changé, hein, c'est cool. Finalement, même dans les derniers de la série, c'est un peu pareil. Hein. Voilà. On va récolter un max de trucs, on verra bien. Ça se récolte ? Non, ça oui. Magic Herb. Ah. Yo ! Elle saute haut. Hop. Voilà, bah maintenant je sais ce que c'est, donc je vais récolter. Ok, alors on va aller faire le tour un petit peu de la forêt, il y a peut-être d'autres choses à récolter. Pas l'impression, hein, mais bon, dans le doute. Hein, quoique. Les petits champis, ça peut toujours nous servir plus tard, hein, finalement. Allons-y, quoi. Ça, je prends. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Nope. Bon, je suis un grand gosse. Hein. Fais attention pour ceux qui découvrent la chaîne. Je suis un grand enfant. C'est mignon comme tout en tout cas. Hein. Vraiment, ça marche. Ça marche très très bien sur moi là. Après, j'aime beaucoup les ateliers. Mais les options d'accessibilité, c'est très très bien. Il faut ça. Des fois, on a juste envie de se détendre et pas envie de se prendre la tête. Il y a des jeux qui sont faits pour ça. Les jeux bien, bien hardcore, il y en a qui sont faits pour ça. Et c'est bien. Hein. Il en faut. Mais sur ce type de jeu, est-ce qu'on a envie de faire du tryhard sur un atelier ? Je ne suis pas certain, vraiment. Bon. Bah oui, du coup. Allez. On va aller au chaudron. Et on va mélanger. Alors, des Cannon Rock, Star Piece. Ah non, ça c'est tout ce que j'apprends, ok. Autant pour moi. J'ai lu que le truc en vert. Alors, très bien. Mm-hmm. Ok. Bon là j'ai pas le choix de toute façon. C'est ça que je voulais faire. Ok. Bon 3. C'est parti. Make. Let's go. Ah ouais. On en met des jours pour synthétiser. What? Yes! Très bon ça. Eh ben let's go. Ok. Allez, let's go. C'est parti. Ah, donc quand on entend des rumeurs, on obtient des... Ah, c'est intéressant ça. Petite mécanique sympa quand même. Alors j'en profite qu'on soit sur un jeu atelier pour vous dire que il y a une équipe de grands barjots hein, qui a traduit Atelier Risa 1 et qui est en train de bosser sur Atelier Risa 3 sur PC. Le 2 étant déjà traduit en français, pas besoin, mais du coup on pourra bientôt faire la trilogie Risa sur PC traduit. C'est incroyable, c'est génial. Franchement ça tue. Donc franchement bravo à eux. Et je leur souhaite bon courage. S'ils passent par ici un jour, on ne sait jamais.
Alors, tiens. Hop là. Gracias. Ok. Alors. Ah, il veut ça, lui. Ah, ça rapporte. Ah, oui. I'll do it. Moi, je prends les deux. Je prends tout. Je prends toutes les quêtes. Formation, ouais, ok. Très bien. Bon, on va y aller, hein. On va y retourner. Je pense que je vais devoir retourner dans la forêt, hein. On va voir. Ah. Elle est trop fatiguée. Ça m'arrange pas des masses, mais bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le professeur? Ah, ok. Faut que je fasse ça. Quatre alliés différents. Va falloir se trouver des alliés. Dosta. Ah bah oui. Non mais elle s'est déjà fait. Je suis trop bête. Ah bah oui. Ça m'intéresse. Ah. Ok, il va y avoir un nouveau shop. Cool. Tu veux pas venir? Ah non. Ah cool, il y a un mode photo et tout. Excellent. Ok, stylé de ouf. Stylé de ouf. Alors... C'est excellent, ça. C'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Alors, pour l'instant, on va pouvoir faire grand-chose, mais c'est cool. Ça a l'air bien, ça a l'air sympa. Vous me trouvez peut-être très calme aujourd'hui, mais c'est normal, puisque j'ai un de mes enfants qui fait sa sieste. Donc du coup, forcément, vous vous doutez bien que je ne vais pas hurler. Alors, attendez, je vais retourner à la taverne. Parce qu'il faudrait que je puisse trouver des alliés. Tu veux pas, non? Alors... Bah oui. Ah, cool. Ah bah oui, lui, il voulait venir. Ah, faut que j'en vire un. Bah non. C'est pas grave. Je vais garder... Je vais garder l'autre. Donc c'est 3 maximum dans le groupe. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas? Parce que là-bas, ça m'a l'air un peu chaud. Bon, allez, let's go.
Il y a une bébête. Allez, c'est parti. Oh, ils sont mignons. Ils sont toujours là, d'ailleurs, hein, encore maintenant. Les punis. Les punis. Tac. Oh, il va falloir taper un peu plus fort, hein, madame, parce que là... J'adore la petite danse. Ah, bah voilà, ça monte. Ça monte. Level up. Je pense que ça peut devenir une bonne alliée, mais il va falloir la faire monter, quoi. C'est peut-être ça qui va être le plus long, mais pourquoi pas. Alors si je fais ça et que je fais ça, tac. First move. Oh, il y en a qu'un. Ok. Ah bah... Voilà, ça c'est fait. Ah, cool. Après là, tout ce que je peux prendre niveau item, je vais le prendre, hein. Niveau item, niveau XP, je chope tout. Je prends absolument tout ce qui passe. Ah, il y en a trois. Là, ça devient intéressant. Il y en a deux. Elle fait pas de dégâts. C'est une catastrophe. Voilà, un petit peu d'XP. La danse, elle me tue. La danse, elle me tue de rire. C'est trop. Ok. Bon, elle sait bien, elle monte. Ah. Là, je me suis fait avoir. Mais je pense qu'il va mourir très vite. Hein, voilà. Je peux plus, moi, j'en peux plus de cette danse. C'est trop marrant. Ah mais là, heureusement qu'on fait pas un let's play sur ce jeu. Parce que dans... Allez, 10 épisodes plus tard, vous me verriez encore en train de me marrer avec le truc, quoi. C'est trop. C'est trop, je suis un gosse, c'est pas possible. Ah, ça tape un petit peu plus fort. Là, ça tape très fort, par contre. Nickel. Ah non. Ah, je suis mal là. Ah oh, bah j'avais déjà un peu. Ah oui, je suis full en fait. Ah ouais, je suis full. Bon, je vais juste faire les combats, du coup. Ça me servira toujours. Histoire de pas être venu pour rien. Voilà. Oh. Shea, c'est bientôt, hein. Ah, la danse avec le bâton là, c'est trop. Mais pourquoi ils ont fait ça, quoi? Bon, ça doit le faire. Mais je m'en fous. Je suis obligé de les prendre ou quoi? Chier, hein. Allez, c'est parti.
Let's go! Ah, il y a encore un ennemi là, je vais me le faire. Voilà. Non, sérieux, faut que j'arrête. Hein. Ça marche à chaque fois, quoi, c'est trop. À chaque fois, je me marre, mais pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Je sais pas, je l'explique pas. Ouya! Yes! C'est bon ça? Ça level up. Allez, on retourne à l'atelier. Je peux en fabriquer deux. Ça, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Ah, ça, je peux. Ben, je vais tout faire. La totale. Ok. Ciao. C'est plus grand-chose, hein. Alors... Moi, je peux en faire? Bon, allez, let's go. Je fais tout. Tout ce que j'ai ramené me serve quand même. Mine de rien. Bon, bah là, j'ai pu... Rien. Ah. Ok. On va faire dodo. Est-ce que je pouvais encore faire quelque chose sinon? Ouais. M'en faut combien de ça? Ah, hein? Bah, let's go. Là. C'est parti! Ah, j'ai pris beaucoup de. Ah non! D'accord. C'est moi le con. Ok. Bon, je vais retourner à la nearby forest. Parce que ben il me faut les fameux trucs qui poussent sur les arbres là. J'ai pas trop le choix. Viens à toi. Oh, il y en a deux. Viens à toi. Oh, elle fait mal. Hein. Mine de rien, elle fait mal. Okay.
Bon, après, je pense que vous avez compris un peu ce qui fait le sel hein, de ce jeu, et de cette série d'ailleurs. Hein. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde, cette série, mais il y a un public, et j'aime bien, moi, de temps en temps, ça fait du bien. C'est pas le jeu sur lequel je tryhard, justement. C'est vraiment le type de jeu sur lequel je viens et je me fais ma petite heure de temps en temps quand j'ai une heure à buter. Alors le mieux c'est quand c'est sur console portable, je l'admets. C'est vrai que c'est très agréable sur console portable, tu le prends un petit peu, tu fais une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand max avant de dodo. C'est très cool, c'est vraiment très très cool, ça se fait tout seul quoi. C'est bien évidemment pour ça que je les prends quasi tout le temps sur console de salon. La logique à toute épreuve de Okrad, c'est bien la base. J'ai déjà plus de place, mais c'est un délire. Voilà, plus de place. Par contre, toi, t'es mort. Bim. Level up. Je vais me finir les loups qui restent. Hein. Évidemment. Ok. Oh, one shot. Ok. Alors là, par contre, oui, je vais lâcher des trucs. Hein. Je pense que je vais lâcher ça. Hein. Je vais tout lâcher ça. Je vais prendre que ce que j'ai besoin. Je vais en lâcher 3 comme ça. Hop. Voilà. Bon bah on va pouvoir rentrer. Hein. Je pense qu'il n'y a plus de toutou à tuer. Ah si. Allez, let's go. Voilà. Oh, encore un petit toutou. Ah, je me les fais tous, hein. Quitte à aller sur une île, autant se les faire, même si quand je fais un combat, ça fait perdre des jours, visiblement. À chaque fois, je vois. Hop, il y a une journée qui passe. Franchement, ce petit remake, je l'attendais pas. Et je dois bien admettre que je suis bien content qu'il soit là. Parce que ça me permet, à moi et à d'autres, hein, de découvrir cet épisode. Que vraiment, je suis passé complètement au-dessus. Hein. Bon, moi, à l'époque, sur Play 1, c'était FF8. Un peu FF7, mais très très FF8 pour moi. J'étais jeune, hein, pour... Mais c'est FF8 m'a bouleversé ma manière de voir le jeu vidéo. Avant ça, je jouais qu'à des plateformeurs en fait. Je pense que ouais, c'est ce qui est le plus symptomatique chez moi, c'est ça quoi. Je ne jouais qu'à des plateformeurs tout le temps. Tout le temps. Plateformeurs et un petit peu de jeu d'aventure, mais c'était vraiment comment ça. Et en fait, Final Fantasy VIII m'a ouvert à tellement d'autres jeux. Parce qu'au début, voilà, on m'a payé ça, je dis, c'est quoi ce jeu, quoi? Vraiment, hein, on me l'a payé, je me suis dit, putain, c'est quoi ce... Je voyais la pochette, ça me faisait pas rêver plus que ça. J'étais un gamin, hein, j'étais vraiment gosse, quoi. Je vais avoir quoi? Une bonne dizaine d'années. Et du coup, je me disais, ouais, voilà, comme un con, quoi. Et finalement... Finalement. Allez, hop.
finalement, incroyable, en fait. Incroyable. J'ai découvert vraiment le tour par tour, etc. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant autant d'années, quoi. C'était fou. C'était dingo. Je peux encore en faire deux. Bon, je vais encore en faire deux. Comme ça, mes quêtes, elles seront faites. C'est good. Voilà, 6 sur 6. Failed. Failed. J'étais en train de parler, je crois que j'ai fait de la merde. Ah, les jours. Oh non. Oh, quel abruti. Je suis deg. J'ai mis trop de temps. Vous voyez, hein, ça peut aller vite. Là, je calculais pas. En fait, au lieu de taper les monstres, j'aurais dû juste récolter et me barrer, quoi. Oh, j'ai fait le con. Tout est fail, du coup. Aïe, 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 aïe. Mais quelle galère au crade. Bon, je vais aller au bar. Oh, c'est joli. Ah bah c'est bien, on aura vu l'hiver comme ça. Oh cool. De toute façon, après on va se laisser là-dessus. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Ouch. Ouch. Oh, j'ai perdu de la réputation même. Ça picote. Je suis deg. Tellement deg. Bon, lui... Je vais virer qui? Je vais virer Cher. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo toute calme d'Ocrade vous a plu. Je vais donc vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Ocrade. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao, les amis. Et à la prochaine. Oh, c'est beau.